je te prends dans mon équipe. Oui, tu viens. Oui, cette fois, oui. C'est énorme. On peut remettre mon truc ou pas? On a nos manteaux. Alors, t'as l'habillé, elle a carrément sa tenue, elle. Ouais, ça y est, je suis prête. Non, j'y retourne, moi. J'y retourne. T'es dans... On a récupéré nos sacs d'aventure. Il y a tout dedans. Alors moi je peux pas mettre ma tenue, elle est hyper sexy, mais moi j'avais pris la tenue genre moi, je suis efficace, hein. Moi j'étais dans l'efficacité, j'étais dans les trucs imperméables. Mais alors, d'une laideur, je ressemblais à rien, mais j'étais sèche. Avec vos pulls qui séchaient pas, et mes chaussures, mais qui étaient immondes. Je sais pas si elles sont là, je pense, mes chaussures. Putain, c'est ouf de voir tout ça. Le bandana qui servait d'élastique. Enfin bref, l'aventure de ouf. Et voilà mes magnifiques chaussures. De voilà. L'aventure. Voilà. C'était celle-là. C'était celle-ci. Voilà. Hein. Elles sont moches, mais on peut quand même. Tu peux les mettre, s'il te plaît, au pied parce que elles sont plus belles au pied. On peut quand même dire qu'elles sont hyper efficaces et que quand il fallait aller pêcher, tout le monde était très content de mettre ces trucs immondes. Et les gentils copains nous ont offert un magnifique. C'est trop stylé. Un joli pull, les copains, avec la casquette. Merci à vous, on est trop contentes. Déjà, faut dire ce qu'il y a, on est hyper fiers. On a des loges à nous, genre à l'état de saut. On a des loges, quoi, en fait. Avec nos petites affaires, nos petits trucs pour faire des autographes. Non, mais en fait, c'est ouf, en fait. Salut les amis, bon du coup aujourd'hui vous savez que c'est la finale de Koh-Lanta, donc je suis dans ma loge, voilà. Et je viens de récupérer mon sac d'aventure, c'est complètement fou. Il est là, mon gros sac avec toutes mes affaires dedans. J'ai pas encore tout ouvert, mais regardez, j'ai récupéré mon foulard violet, mon foulard jaune et mon foulard rouge. Et oui, j'ai même récupéré mon petit pot dans lequel on mangeait notre manioc. C'est magique. J'ai hâte de fouiller dans le reste du sac. Bon les amis, Fouzi est là, il a retrouvé sa chemise. Il est content. Oh, il y a que du loup. Où je re-rentre. Le suspense est à son comble. Le suspense est à son. Eh, déjà, c'est... Ah, attends. Ah, quand même. Bon. Tu re-rentres dedans. Je re-rentre dedans, il va falloir retaffer ça. T'es beau quand même. Mais stylé. Ah bah bien sûr, hein, c'est trop tard. Hein. Là, je filme. Alors, c'est les loges de Zeta et de Céline. Alors, ils m'ont rajouté les petites cartes à faire. Ouais. Tchuss. T'as vu ça? Ils nous ont mis ensemble. Ils avaient intérêt, ils savaient qu'on allait foutre le bordel. Ah bah ouais. Oh, il y a nos sacs. Attends, il y a nos sacs. Attends. Il est là, mon sac. Il fait quoi? Il fait combien? 4,65 kg? Mais j'ai embarqué quoi? Pigaf! Il y a le sac de Céline aussi. Et alors? Ça va être... Alors? On m'a trouvé l'eau! Mais c'est pas une photo là, c'est une story! Ah merde! Bah oui, il a trouvé l'eau, mon bébé! Ah, c'est le petit Mathéo qui a trouvé l'eau! J'ai pas encore ouvert. Oh, il quoi? Il sent la merde! Oh putain! Ah ouais! Et je suis au top, j'ai mon amulette, j'ai mon gobelet avec. Alors j'avais gravé Seta et j'avais gravé tous les noms de ma petite famille. Alors il y a Inaya, Sakina, Safa, Saoussen et Bilal. Et là j'ai mes trois foulards, mes trois couleurs de toutes les équipes: violet, vert et jaune. Oh là là! Mais par contre, ils sentent encore le Philippines! Bon allez, je vous fais une petite story, regardez qu'est-ce que je viens de retrouver là, arrivé dans ma loge, JP, et là... Bouteille ! Mon foulard, mes foulards, mon talisman, toutes mes fringues, etc. Évidemment, ma casquette fétiche. Maman, tu vois, un petit coup pour toi là-bas. Eh ben écoutez, je vous embrasse tous et je vous ferai des petites vidéos. En attendant, je suis dans la loge avec mon pote Fouzi. On est reçus comme des princes et on vous dit à ce soir. À bisous à tous. Salut Lise, salut Martin. Bon, on m'a mis à contribution évidemment pour signer un autographe ce soir sur un t-shirt. C'est pas pour Jean-Charles, il est 2000 likes en plus, hein. C'est pour moi, hein. On est bien d'accord, hein. C'est terminé. Attendez, il est arrivé à plus de 20 000 le gaillard. Ah voilà. Attends. Bah on okay. Okay. Je stime, ah, tu stimes, hein. Faut stimer, mais j'ai jamais fait de ma vie. Estimer un t-shirt, le mec est précautionneux.
Je sais pas comment ça. On est bien installé. Est-ce que vous pourriez juste, s'il vous plaît, changer la personne qui se situe à ma droite? Je vous remercie. Je suis là pour passer un bon moment, pas pour souffrir. Arrête. Bon, du coup, c'est le retour du petit bandeau de Turung. Et je peux vous assurer qu'il sent vraiment la mer. Genre, c'est une horreur. Mais c'est ouf. C'est ouf de récupérer ça. Et évidemment, ma chemise, là, elle est là. Putain, elle est dégueu. C'est trop cool. Ça va? Oh, avant, je taguais dans la rue. Que les cons. Au pire, tu peux la mettre. Oh mon dieu, mon sac d'aventure. T'as mon sac. Incroyable. On a les sacs. Attends, mais c'est trop le feu. Le sac aventure. Oh là là! Les bandeaux d'aventure. La gourde! Oh, tous les vêtements. Ça sent bon la lessive. Oh, bah bien sûr, hein, c'est trop tard. Hein. Là, je filme. Alors, c'est les loges de Seta et de Céline. Alors, ils m'ont rajouté les petites cartes à faire. Ouais. Tchuss. T'as vu ça? Ils nous ont mis ensemble. Ils avaient intérêt, ils savaient qu'on allait foutre le bordel. Ah bah ouais. Oh, il y a nos sacs! Attends, il y a nos sacs! Attends. Il est là mon sac. Il fait quoi? Il fait combien? 4,65 kg? Mais j'ai embarqué quoi? Il y a le sac de Céline aussi. Alors? On m'a trouvé l'eau! Mais c'est pas une photo là, c'est une story! Ah merde! Bah oui, il a trouvé l'eau, mon bébé! Ah, c'est le petit Mathéo qui a trouvé l'eau! J'ai pas encore ouvert. Oh, quoi? Il sent la merde? Oh putain! Ah ouais! Et je suis au top, j'ai mon amulette, j'ai mon gobelet avec. Alors j'avais gravé Seta et j'avais gravé tous les noms de ma petite famille. Alors il y a Inaya, Sakina, Safa, Saoussen et Bilal. Et là j'ai mes trois foulards, mes trois couleurs de toutes les équipes: violet, vert et jaune. Ah là là! Mais par contre, ils sentent encore le Philippines!